Voilà, salut tout le monde, c'est Sylvos et on est reparti pour cette suite de Pokémon Platine les amis. Et comme je vous l'avais dit pour cette vidéo, j'ai entraîné Natsu et Agita, hein, donc tous les deux level 13, hein, comme ça ils pourront évoluer dans la vidéo, du moins normalement. Et sur ce, on est reparti. Donc si je me souviens bien, il fallait aller chercher Pierrick, le premier champion de l'arène, au fin fond de cette grotte. Et j'ai pas pris de repousse, non. Bon, c'est pas grave. Parce que l'essentiel au début de cette vidéo, c'est de faire évoluer notre cher Natsu, hein. Parce que comme vous pouvez le voir, là, il ne lui reste plus rien pour monter le level. Donc, pour l'avoir à notre très cher champion-feu, il faut trouver un dresseur. Alors, un dresseur, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a un dresseur. Allez, un dresseur. Non, c'en est pas un. Fuck, peut-être le deuxième, là-bas. Allez. Oui. Oh, allez, c'est l'heure du duel. Sinon, je tenais aussi à vous informer que maintenant, nous avons mis en place sur la chaîne un planning vidéo, donc ça veut dire en fait que je pourrais poster mes vidéos que certains jours, donc plus précisément le vendredi ou le dimanche. Mais bon là je poste cette vidéo ce mercredi en fait parce que Senna il a pas posté sa vidéo et du coup bah je lui ai demandé l'autorisation si je pouvais poster la mienne et donc j'ai posté cette vidéo que vous regardez en ce moment même. Mais bon ça se reproduira pas à chaque fois hein, donc attendez-vous à recevoir mes vidéos souvent le vendredi ben, ou le dimanche. Ou des fois dans la semaine, hein, bah, ça dépendra des membres de la chaîne parce qu'on est beaucoup, hein, maintenant on est 7 membres sur la chaîne il me semble, ou 8, je sais pas du tout. Et donc ça devient compliqué de caser nos vidéos. Bon allez, on en termine avec Sorakayu et Natsu va évoluer. Allez Natsu, lance-toi ta flamèche. Oh, one shot. Natsu, je t'aime. Et Natsu normalement, yes, il a monté d'un level. Yeah! Normalement, il devrait monter de les. Maintenant, il devra prendre Match Punch, hein, normalement. Hein, parce que si mon jeu il bug. Non, c'est bon. Quoi? Natsu évolue! Attention! Ninja! Ninja! Alors, il est orange. Il a une queue enflammée. Il a un nom grave stylé. Il s'appelle Natsu! Oh, il est magnifique! Du moins, j'adore ce Pokémon. D'ailleurs ça fait penser, parce que je vois ce Pokémon, je sais ça n'a aucun rapport, mais j'aimerais bien refaire un combat contre New Titeuf. Donc si vous regardez New Titeuf aussi, les vidéos de New Titeuf, n'hésitez pas à aller lui lâcher un petit commentaire comme quoi vous voudriez un combat, lui contre moi à nouveau. Ça me ferait énormément plaisir. Donc alors maintenant, on apprend Match Punch, et tada! Maintenant nous avons notre petit atout pour gagner la première arène, les amis. Et je pense même pas qu'on aura besoin d'aller chercher, enfin d'aller voir l'infirmière Joël. Oh une Pokéball, à moi! À moi. Une popo, ça peut toujours servir. Et normalement... Ah! Fouh, faut vraiment que j'ai des repousses sur moi, moi. Sinon, je vais finir par péter un câble un jour. Allez, Natsu, maintenant tu es... Ah, j'adore ce bruit. Allez, fuite. Alors, normalement, le champion il devrait se trouver juste ici. Ouais. Oui. Recule et regarde. Attention, il va casser le caillou. Oh, il est trop fort! C'est Chuck Norris. Mais dans quelques temps, je pourrais faire la même chose, les amis. Mais bon, il me semble que je devrais capturer un Pokémon, parce que j'ai pas envie d'apprendre à Natsu Éclatroc. Mais bon, on verra ça après la première arène. Hein. Enfin, du moins, j'essaierai de capturer un Pokémon pour pouvoir apprendre Éclatroc, mais qui me servira pas dans l'aventure, hein. Vous en faites pas, on va dire un Machoke ou un Rakayu. Enfin, je pense pas qu'il y ait encore de Machoke pour le moment. Mais bon, attendant, on va se faire le premier champion, et pour à peine, et on ne va pas encore voir l'infirmière Joël, hein. Désolé pour ça, pour vous. On y va après l'arène. Donc allez, on est parti. Non, non. Je pense pas qu'on va se faire les dresseurs, hein, non. On va essayer de gagner du temps pour cette vidéo, on va essayer d'avancer un peu. Donc alors, on se le fait, on prend la CT, et on y va. Ah oui, le badge, bien entendu. Donc, Sylvos Diuréotique versus Pierrick. Allez, c'est parti, les amis. Donc si je me souviens bien, il me semble qu'il a un Rakayu, un deuxième Rakayu et un Cranidos. Oh, je suis trop fort. Allez Natsu, montre-lui de quoi tu es capable. Lance ton attaque, Match Punch. Attention. Oh, one shot. Oh, j'adore cette attaque. Du moins, je vais encore plus kiffer quand j'aurai que ce combat. Voilà, franchement, dans Platine, moi je trouve que nos Pokémon, ils XP mais vraiment très rapidement. Ah non, en fait, il avait un Onyx. Il avait un Onyx, excusez-moi. Bon bah, tu vas souffrir. Ah, what? Genre. Ah, ça, j'ai pas trop le pitch de rock.
Bon, je pense pas qu'il va tuer mon Pokémon, hein, du moins. Faudrait pas trop qu'il me l'affaiblisse. Alors, on va essayer d'en terminer vite avec Onix. Aïe. Non, 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 non. Non. Non, c'est bon. Allez, match. Ah! Bande de chacal! Je m'y attendais vraiment pas du tout à celui-là. Ah, du moins, j'espère qu'il va pas continuer à m'attaquer. Allez, faudrait qu'il meure. Allez, 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 allez. Oh, non! Parce que moi, à côté, j'ai mon Agita, mais. Mais Agita, c'est un Pokémon de type vol et contre un Cranidos, je pense pas qu'il va faire le poids. Alors, alors, allez, allez. Ouf, s'il me fait un coup critique, le Cranidos, je vais le sentir passer, donc va falloir vraiment croiser les doigts, les amis. Enfin, non. On est level 15, donc c'est bon, on devrait gagner. Allez, Natsu. Je crois en toi. Tu vas pouvoir me faire obtenir ce badge. Alors, Cranidos. Tiens, ça me fait penser au Charcos de Nutiteuf que j'avais. Non, on va pas rappeler ce mauvais moment. Non. Oh putain, vraiment, j'ai cru que je l'avais du premier coup. Allez, Natsu. On en termine avec notre dernière attaque. Ça s'annonce mal, je ne baisserai pas les bras. Ok, on va voir ça. Natsu lance son attaque, match punch, et terminons ce combat. Victoire de l'armée auréotique, les amis. Du moins pour la première arène. Et voilà, on a battu le champion Pyrrhic. Et pour finir tout ça, on le raquette. 880$ à moi, à moi. C'est embarrassant, j'ai perdu contre un dresseur. Ouais, 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 la paperasse, la paperasse. Allez, donne-moi le badge, s'il te plaît. Qu'on en termine là. Allez, Sylvos obtient le badge. Ta 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 da, ta da. Bon, là, on peut plus voir le badge, hein. C'est que dans la 5ème génération qu'on voit le badge en 3D, mais bon. C'est pas grave, c'est toujours aussi bien cette version. Du moins, il me semble que la première 3D pour Pokémon, ça a été dans Pokémon Platine, hein, quand on voit apparaître Giratina, mais bon, je suis pas sûr, hein, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est que dans Pokémon Noir ou Blanc, tout simplement. Mais bon, en attendant les amis, on va aller voir notre très chère infirmière Joël, hein, que vous avez tous attendu depuis le début de cette vidéo. Infirmière Joël, soignez mes Pokémon. Attachez-moi, Sylvos. S'il vous plaît, prenez-en soin, ils ont tellement combattu. Oh, merci beaucoup, infirmière Joël. Arigato gozaimasu. Et à très bientôt. Donc, bah, on va pouvoir mettre Etourmi, enfin Agita en premier, hein, maintenant qu'on a fait évoluer notre très cher Natsu. Alors maintenant, on va faire évoluer Agita. Voilà. Mais juste avant, on va aller voir au-dessus. Il me semble que j'ai peut-être zappé un événement. Est-ce qu'il y a un événement ici? Non, on dirait pas. Bon, tant pis. Bon, bah, on est reparti pour la véritable route, hein, les amis. Alors, il me semble que on devrait croiser Zozo dans pas longtemps, mais je suis pas sûr. Allez. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bah, excusez-moi, c'est parce que j'ai fait le jeu cet été, donc je me rappelle un petit peu de certaines choses. Alors, qu'est-ce que tu me fais, Zozo? Hein? Hein? Ok, Zozo. 9. Quoi? Mais quel grugeur! Je vous jure, n'importe quoi, ce mec. Alors, on va essayer de trouver un Rakaillou là ou un Machoc, je sais pas, un Pokémon qui peut prendre Éclate Rock. Allez, 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 y'en a pas un, y'en a pas un. Allez, 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 s'il vous plaît, que ce soit. Oui, c'est bon, Rakaillou. Bon, bon, on va essayer de le capturer. Enfin, ah, j'ai peut-être pas pris de Pokémon! Flûte! Et je agite en premier, mais que je suis bête, les amis! Attendez une seconde, on va prendre Natsu déjà. Parce qu'avec Agita, sinon ça va prendre une heure pour l'affaiblir. Mais faudrait pas non plus que je le tue, hein, donc on va y aller mollo, les amis, on va y aller à coup de flamèche. Bon, ok, j'ai rien compris toi avec ta boue, mais bon, c'est pas grave. Alors, flamèche, on va essayer d'aller en douceur. Tout doux là, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Oui, c'est bon. Alors, par contre, je sais pas du tout si j'ai des pokéballs, les amis. Alors, 5 balles. Ouais, bah c'est bon. Allez, faut croiser les doigts, les amis, faut croiser les doigts. Allez, faut l'avoir du premier coup. Allez, 1, 2. 3, allez, oui! Yes! Mais bon, vous réjouissez pas, les amis, hein, parce que Rakaillou ne fera pas partie de l'équipe, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est juste pour le fun et pour Éclate Rock, seulement pour Éclate Rock. Donc, oui, je m'en fous un petit peu de Rakaillou. Allez, 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 allez. Non, je te donnerai pas de surnom. Donc, on est reparti. Alors, let's go. Alors, oula, j'ai eu peur que me défie. Enfin, ça me dérange. Attendez, on va une seconde. On va quand même mettre Éclate Rock sur Rakaillou, hein, parce que sinon je vais oublier, ça va nous faire perdre du temps. Alors, utiliser Éclate Rock, oui, sur Rakaillou. Ah bah,
C'était rapide. Et sur ce, on est reparti. Donc, il me semble qu'on maintenant, on doit aller à Vestigion. Ok. Oh, mon cher Belladonis. J'ai vu des méchants. Tu peux obtenir gratuitement. Oh, on peut obtenir un registre ami. Ça, je me souviens même plus. Mais bon, vu que je suis en train de jouer sur Roms, hein, ça m'intéresse pas vraiment. Donc, vous me direz. Hein. Alors, bah, on va vers le haut. Par contre, attends une seconde. Ouais, c'est bon. J'ai cru que les tourmis, je l'avais pas mis en premier. Et oh, mais c'est mes chers copains aux cheveux bleus. Alors, de quoi il parle? Alors là, attendez une seconde. Ah, si vous, ça va. Ok, il y a des méchants. Et le professeur Sorbier, il s'ignore complètement. Je le répète, nous vous ordonnons. Silence, vous autres! Oh, mais lol, comment ils se font dominer! Un, on ne route pas. On n'interrompt pas les gens. Y'a pas ce qu'on fait. Ah, mais comment il les domine! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Ah, c'est épique. Ah, j'adore ce truc. Eh, il m'a fallu! Salut! Ok, bon bah, tous les coups. Ok, Aurore. Allez, utilisons nos forces. Bon, excusez-moi, hein, c'est parce que j'aime bien aller vite dans les dialogues, parce que je les connais déjà par cœur. Hein. Enfin, du moins, je connais carrément toute l'histoire. Hein. Donc, c'est normal. Allez, agitant en avant! On va leur montrer de quoi on est capable. Donc, si vous n'êtes pas habitué à jouer à ce genre de version, on aura souvent, chez, comme Pokémon, hein, dans la Team Galaxy, des Pokémon de type poison ou de type normal, hein, bah ça, c'est comme les anciennes versions avec leur Smogo ou leur Abo ou leur, je sais plus ce qu'ils avaient avant, des Chamallows. Et sinon aussi, je tenais à vous dire les amis, que maintenant, aujourd'hui, le mercredi 26 septembre 2012, nous avons le droit de live sur la chaîne, hein, mais pas n'importe quel live, hein, le live de YouTube, hein, c'est pas le live de live stream hein, qui buguait toutes les deux secondes, non, cette fois-ci on a du live de pro. Du moins, j'espère que mon ordinateur saura le faire tourner. Mais bon, pour ce qui est du live, alors moi, je pense que je vais commencer à faire des lives dès la semaine prochaine, hein, le week-end, parce que en semaine, je pense pas que je pourrais. Et je vous ferai à chaque fois une petite vidéo hein, pour vous annoncer la date du live et l'heure. Donc, ne vous en faites pas, je vais vous prévenir à chaque fois. Bon, allez, aïe, 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 moi, agité, il est empoisonné, ça va mal me faire ça. Allez, 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 il faudrait qu'il crève vite. C'est ça, mon coup critique? Non. Je frappe si peu que ça? Bah attendez, on va régler ça tout de suite. Cruel! Oh, domination! Oula, bah je pense qu'on va être obligé de retourner à l'infirmière Joël. Mais là, je crois qu'on va évoluer, mais je suis pas sûr. Vu qu'on a monté de level. Alors on va savoir ça tout de suite. Oui, 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 oui. Allez, 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 allez! On vous raquette votre argent. Et là, oui! Agita évolue. Allez, ninja! Ninja! Il a des plumes! Il a une crête à la Titeuf. Il s'appelle Agita. Excusez-moi, j'avais rien à dire sur ce pigeon noir. Enfin, du moins cette pigeonne, hein, vu que c'est une femelle. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Alors, hein, nous vous laissons. Comment ils ont ragé? Oh, ils ont rage kit. Lorsqu'ils évoluent, les Pokémon. Waouh, franchement. Bon là, ils sont en train de me raconter leur vie, hein, comme d'habitude. Si vous, tu le savais, les Pokémon étudient selon leur évolution. Oui, je sais tout ça. Je sais tout ça, merci beaucoup. Ce n'est pas peine de me remercier, je n'ai fait que mon travail en tant que dieu réotique. Donc oui, bah... Ils sont bêtes quand même, hein. Je suis allé faire le premier badge et ils me demandent si je vais faire tous les autres badges de la région de Sinnoh. Bah oui, je vais les faire. Alors, qu'est-ce que tu peux, toi? Je me souviens plus. Oh, oh merci. C'est ce que je fais souvent pendant mes lives. Quand j'ai rien à faire, je fais un petit show musical avec mes Pokémon qui dansent et qui sont déguisés, j'adore. Bon bah les amis, hein, on est reparti pour aller voir l'infirmière Joël, hein, parce que là on a notre écran qui bug. Ah, il est empoisonné. Ah. Alors vite, 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 vite. Faudrait pas qu'il meure et tourne. Alors, infirmière Joël, soignez mes Pokémon. Attachez-moi, Sylphos. Alors excusez-moi, là j'ai un petit peu mal à la gorge encore une fois parce que oui, pensez quelques jours où je n'ai pas fait de vidéo, j'ai chopé un mal de gorge là donc c'est normal si je dis pas trop de conneries. Alors on est reparti, hein, donc il fallait partir vers le nord. Là j'ai des pixels qui se battent partout sur mon écran, mais bon je pense pas que vous le verrez au rendu. Du moins si vous regardez cette vidéo, mettez-la en 720 pixels hein, pour avoir le meilleur plaisir.
Alors, on va cacher cette. Attention, attention, les amis, on va casser! Chuck Norris, pas! Et on passe! Et aussi, bah, pendant. Parce que là, je suis sûr, on va se faire des dresseurs. Attendez, on va voir ça. Ouais, fuck it. Bon, c'est pas grave. Parce que de toute façon, je voulais vous parler. Parce que je tenais à vous préciser que maintenant, bientôt, je vais sortir un peu du jeu Pokémon hein, pour faire d'autres let's play. Du moins, un autre. Hein. Déjà, je dois terminer le let's play sur Pokémon White 2. Hein. Du moins, je ferai des lives dessus. Donc, comme ça, bah, ça m'évitera de faire des épisodes. Mais bon, je vais quand même poster un ou deux derniers épisodes de White 2. Et après, je pense que ce sera fini. Mais je ferai des lives, comme je vous l'ai dit, dessus. Et je vais faire un let's play en compagnie d'un membre de la chaîne. Hein. Donc, soit Fancy ou soit Zozo. Mais bon, je vais faire avec les deux, mais pas en même temps. Donc, je pense que je vais commencer avec Fancy, les amis. Et pour ce qui est des lives, je ferai en compagnie aussi de membres de la chaîne, souvent. Ou tout seul, hein. Ça dépendra de mon humeur et de votre humeur aussi. Et nous avons battu cette dresseuse, hein. Le temps que j'ai parlé. À moi. Oh, réveil. Toujours prendre les objets qu'on trouve par terre, ça nous servira toujours. Ah, oh, fuck. J'aurais pu l'éviter facilement, j'y crois pas, mais que je suis bête. Bon allez, on l'affronte et on va en terminer là. Du moins, on va pas terminer la vidéo, enfin on est à combien de temps de vidéo là? Attendez que je regarde. 16 minutes et 30 secondes, ok. Non, non, c'est bon, on va essayer d'arrêter à 20 piles, hein, parce que là, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Non, c'est pas ce que vous croyez, les amis. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, c'est tout à fait professionnel. Et ce n'est pas du tout, amical. Putain, des Pachirizou, mais c'est chiant, ces Pokémon. Aïe. Mais pourquoi mon Hatsu, il vous a rien fait? Agita, allez. Franchement, on leur fait pas mal du tout, hein. Allez, on va essayer Vive Attaque. Et toi, tu vas essayer Flamèche. Parce que Flamèche, c'est trop tard. Allez, Vive Attaque, allez, allez. Non, pas assez. Ah, pourquoi mon Natsu, mais il vous a rien fait. T'en fais pas Natsu, ça va bientôt être fini. Regarde ça. Allez, crame-lui sa queue, crame-lui sa queue. Ah, je commence à plus du tout avoir de voix. Bon, bah, après cette vidéo. Je bois un coca et je mange deux Oreos. Parce que comme ça, ça mérite un peu de bon temps. J'ai dit une phrase complètement illogique, mais bon, c'est pas grave. Alors là, il ne reste plus qu'un seul. Et je suis monté de level, oui! Franchement, je suis bien rattrapé dans cette vidéo. Ah bah. Deux montées de level en un combat, c'est pas beau ça? Ah, et je peux pas prendre combo griffe? Non. Ça m'intéresse pas, combo griffe. Ça peut être utile, mais c'est pas très puissant pour moi. Enfin, j'ai jamais vraiment apprécié cette attaque. Allez, on en termine avec ce Pachirizou. Et on arrive à Floravie, normalement. Donc, finalement, je pense pas qu'on arrivera à Vestigio aujourd'hui, les amis. C'est vrai que c'est un petit peu loin. Il me semble qu'il y a un événement en plus avant. Allez, on continue. Allez, let's go! Ah, mais c'est pas vraiment de Pokémon! Oh, Lixie! Alexi, un mal! Un mal! Oh putain! Oh il me le faut! Oh il me le faut! Oh je m'en fous! Ah il me reste plus qu'une Pokéball les amis! Oh, il me reste plus qu'une Pokéball! Ah il faut y croire les amis, il faut y croire! On va essayer charge! Il faut pas trop le tuer, il faut pas le tuer, il faut pas le tuer, il faut pas le tuer! Parfait! Oh parfait! Oh les amis, il faut croiser les doigts s'il vous plaît! Tous avec moi! Le pouvoir de l'Oreo est dans cette balle! Allez, il faut que tu te captures! Je t'appellerai Wind! 1, 2, 3, oui! Yes! Bon sang, mais je suis Chuck Silvo, celui qui attrape les Pokémon du premier coup! Yes! Oh, je suis content. Alors là, je suis content, les amis. Je m'attendais, mais vraiment pas du tout, à capturer Wind dans cette vidéo. Je m'attendais à le capturer un peu plus tard. Ah, bah, du coup, ça nous fait 3 Pokémon. Déjà sur 6 hein, pour l'équipe finale que j'aurai dans ce jeu, dont je ne vous révélerai pas toute l'identité. Ah mais je suis trop content là, bah attendez une seconde, on va aller les soigner hein, parce que c'est important de prendre soin de ces Pokémon. Enfin bien joué, c'est la troisième fois que je vous vois aujourd'hui, mais bon, hein, je suis pas aussi enthousiaste que la première fois, mais bon, je vais quand même vous dire merci Infirmière Chouelle, arigato gozaimasu. Et sur ce, à très bientôt. Alors regardez un peu les amis, nous avons Agita.
Natsu et Wind. Ah, ça, c'est l'équipe PGM. Bon, bah, on va pas tarder à s'en arrêter là, les amis, hein. Bientôt 20 minutes maintenant. Il me semble qu'il y avait un événement. On va s'arrêter devant la tour. Ah, ouais, c'est bien ce qui me semblait, les amis. Regardez, il y a des membres de la team Galaxy là-bas sur le ponton. Ah oui, il y a son papa qui est coincé dans la tour avec les membres de la Team Galaxy, ça je me souviens les amis. Bon, bah on va s'en arrêter là les amis, juste ici. Donc comme d'habitude, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à manger des Oreos et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me fait de la lecture pour le soir. Sur ce, à très bientôt les amis et prenez soin de vous. Bye !